Céder la parole à Rémi Slava, qui est donc directeur de recherche épidémiologiste environnemental, directeur de recherche à l'INSERM, et qui va donc nous parler d'un toxique bien connu, le plomb, donc développé autour de l'exposition au plomb pendant la grossesse et ses conséquences sur le poids de l'enfant à la naissance. Je vous laisse la parole, merci. Merci beaucoup. Je vais donc effectivement vous parler des résultats d'un projet sur l'exposome qu'on a fait au niveau européen. Et qui nous a permis de nous intéresser à un certain nombre de substances chimiques et de l'environnement, pas forcément de nature chimique, sur le développement de l'enfant et très spécifiquement sur le poids de naissance. Alors, j'espère que vous voyez bien ma présentation et ce qui donc s'appuie sur le projet européen Helix, qui est un des premiers projets concernant l'exposome qui a été soutenu au niveau européen. Ça fait maintenant 7 ans pour ce qui est de son début. Alors, l'exposome, qu'est-ce que c'est? Ça désigne l'ensemble des facteurs auxquels on est exposé depuis la conception sur l'ensemble de la vie. Facteurs de nature chimique, physique, infectieuse, sociaux. Donc, tous ceux d'origine extérieure à l'organisme et qu'on va retrouver soit dans l'environnement extérieur, mais qui pour une partie d'entre eux peuvent être bien sûr internalisé et absorbé par l'organisme. Alors, on va ici surtout parler de l'exposome chimique et d'une partie de cet exposome chimique pour ce qui est de ce qu'on a pu caractériser dans le cadre de ce gros effort européen qui était le projet Helix, tout en étant conscient que c'est une fraction de cet exposome. On n'est pas aussi avancé que dans les travaux sur le génome où on arrive à vraiment séquencer l'ensemble du génome d'un individu. Pour l'exposome, il y a des enjeux de recherche et de mesures importants qui font qu'on a encore une vision pas complète de l'exposome chimique. Alors, à l'ère de l'Anthropocène, cet exposome, ça inclut un grand nombre de substances, certaines qui sont issues des débuts de la révolution industrielle et notamment des polluants atmosphériques comme les particules en suspension, comme le dioxyde de soufre, dont les niveaux ont probablement culminé dans les pays du Nord au milieu du XXe siècle ou un petit peu après, et pour J'ai un jour commencer dont je à vais diminuer. bonjour, mais après. Voilà, si vous pouviez éteindre tous vos micros, s'il vous plaît, je crois que ce serait plus pratique pour qu'on entende bien. Ça concerne aussi des substances anciennes hein, qu'on utilise depuis très longtemps, comme les métaux tels que le plomb, qui est utilisé depuis l'Antiquité, le mercure aussi, qui sont réglementés dans certaines zones, donc dont les niveaux dans les pays du Nord diminuent, mais ce n'est pas le cas partout. Et puis à partir du milieu du XXe siècle, il y a vraiment eu l'essor de la révolution chimique qui a en fait débuté à la fin du XXe siècle, mais l'augmentation forte du nombre et de la quantité de substances dans l'environnement, c'est vraiment plutôt à partir des années 1930-40, avec notamment au début des substances chlorées comme le DDT, les PCB, les polychlorobiphényles, qu'on appelle et qu'on regroupe sous la famille des polluants organiques persistants, les POP, qui, du fait de leur persistance, ont été interdits, et donc c'est la diminution de courbe que vous voyez là, mais qui sont toujours présents dans notre environnement du fait de cette même persistance. Les pesticides organochlorés comme le DDT et d'autres POP ont été remplacés, et pour ce qui est des pesticides, notamment par des pesticides organophosphorés et différentes autres familles de pesticides comme les pyréthroïdes, les néonicotinoïdes. D'autres substances telles que des composants des matières plastiques, comme le bisphénol A, avec lequel on fait du polycarbonate, ou bien des additifs des matières plastiques, comme les phtalates, qui permettent d'assouplir des plastiques initialement rigides, comme le PVC, ont été utilisés pour certains d'entre eux avec des effets sanitaires avérés, comme le phtalate, qui est un antiandrogène, d'où cette diminution de la production, mais le phtalate a été remplacé
par d'autres phtalates. Le DEHP, pardon, a été remplacé par d'autres phtalates. Et le bisphénol A connaît aussi d'autres molécules proches, comme le bisphénol S ou F, notamment. Donc, on a aujourd'hui un très grand nombre de substances sur le marché. On connaît, grâce à la loi REACH, le nombre de substances qui sont produites au-dessus d'une tonne par an par un industriel donné. Et là, il y en a, le nombre actuel est plutôt de l'ordre, est supérieur à 23 000 substances. Ça, c'est pour l'Union européenne. Quand on prend en compte les substances qui ne sont pas encadrées par la loi REACH, et ça inclut notamment pesticides, médicaments et des substances produites en faible tonnage, l'estimation de l'Agence européenne de l'environnement est qu'on a plutôt 100 000 substances sur le marché, dont quelques milliers avec un usage important, plus de 100 tonnes par an dans l'Union européenne, avec du coup un niveau de priorisation important pour ce qui est de leur caractérisation. Et le fait est qu'on ne connaît pas parfaitement, loin de là, les effets de toutes ces substances, qu'on considère qu'il y en ait 23 000 ou 100 000 selon le tonnage. Selon l'EEA, il y aurait 500 substances pour lesquelles les effets sanitaires sont bien caractérisés et bien étudiés, 10 000 pour lesquelles les effets sanitaires potentiels sont assez bien caractérisés et on a une idée pas trop mauvaise des expositions, 20 000 substances avec une caractérisation limitée des dangers potentiels ou des expositions, et le reste, peut-être jusqu'à 70 000 substances avec une caractérisation très limitée des dangers potentiels ou des expositions, ce qui illustre qu'on est loin de tout connaître. Et c'est pour ces raisons que les épidémiologistes environnementaux et notamment les consortiums et les collègues européens avec qui je travaille, nous avons décidé de mettre en place ces projets sur l'exposome avec le soutien de l'Union européenne, en essayant d'améliorer à la fois le nombre de substances qu'on prend en compte dans les études chez l'humain, et si possible aussi la qualité de la mesure de ces expositions qui pose de vrais défis. Historiquement, dans les études épidémiologiques, ce qui se faisait, c'était qu'on arrivait à caractériser à un moment donné l'exposition à une substance donnée, souvent historiquement à partir de questionnaires qui ne sont pas précis, notamment pour les substances chimiques, parce que chacun d'entre nous ne sait pas forcément à quelle substance il est exposé, à quel niveau, et comment ces niveaux peuvent varier dans l'organisme. Alors que la réalité, c'est que le niveau d'une substance donnée, et notamment pour les substances qui sont aujourd'hui autorisées, qui sont pour la plupart peu persistantes, parce qu'on a fait des efforts pour interdire et limiter les substances les plus persistantes, eh bien, ces niveaux varient fortement au cours du temps, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, voire même d'une journée à l'autre, et au cours des journées. Et donc, les premières études qui s'appuyaient sur une seule exposition à la fois mesurée avec des questionnaires avaient un certain nombre de limitations du point de vue de la caractérisation des expositions et ignoraient la réalité de ces niveaux qui varient et du nombre important de substances auxquelles on est exposé, puisque si on s'en donne les moyens, on peut identifier dans l'organisme plusieurs centaines à plusieurs milliers de substances chez la plupart d'entre nous. Donc, on a fait des efforts allant dans ce sens-là, et l'espoir est que cette vision de l'exposome qui prend en compte l'ensemble des expositions permette de dépasser certaines des limitations des études précédentes liées à la caractérisation des expositions, liées à d'autres enjeux que je ne vais pas détailler, mais qui sont le biais de publication, c'est-à-dire que si on étudie une substance à la fois et qu'on répète ça, il va être plus facile de publier les résultats pour lesquels les conclusions sont en faveur d'un effet, et ce qui peut risquer de surestimer les conclusions concernant les effets de certaines substances quand on fait une synthèse de la littérature, ce qui peut entraîner des enjeux statistiques de comparaison multiple, ce qui ne permet pas facilement de distinguer les effets de différentes substances quand on a des substances qui sont corrélées. Donc là, il y a un problème de biais de confusion. Quand je vois l'effet d'une substance A, est-ce que c'est vraiment l'effet de la substance A ou d'une autre substance qui varierait en même temps que la substance A et qui aurait un effet? Et puis, ce genre d'approche ne permet pas bien d'estimer les effets, disons, de mélange, c'est-à-dire ce qu'on appelle la synergie ou les antagonismes. Bon, ta fille, ça va ? Oui, très bien. Bon, super. Enfin,
il y a des enjeux concernant les erreurs de mesure concernant les substances les moins persistantes du fait de cette variabilité. Les études sur l'exposome peuvent permettre de prendre en compte certaines de ces limites, et notamment le biais de publication, les tests multiples et le biais de confusion par les co-expositions. Ces études, elles sont relativement récentes parce que le concept d'exposome remonte à 2005 et les premiers travaux en fait sur l'exposome, étant donné la lourdeur qu'il faut pour mettre en place de telles cohortes, sont plutôt de l'ordre de à partir de 2010 et ont pu concerner le diabète, la mortalité, la fertilité, le poids de naissance qui va nous intéresser aussi, et notamment dans le cadre du projet Helix, on s'est intéressé au poids de naissance, mais aussi à la fonction pulmonaire, aux allergies de l'enfant, au surpoids de l'enfant, à la pression artérielle et au neurodéveloppement de l'enfant. Mais là, je vais juste parler du poids de naissance, pour lequel on avait quelques études sur l'exposome, mais qui était relativement limité en termes d'effectifs et surtout de nombre d'expositions considérées à la fois. Vous voyez souvent en général de 10 à 15 expositions, sauf une étude de 2017 qui avait considéré 57 expositions dans 8 familles, mais en s'appuyant uniquement sur 384 enfants, ce qui est assez limité en termes de puissance statistique, c'est-à-dire d'aptitude à mettre en évidence un effet. Certaines de ces études étaient en faveur d'un effet différentiel selon le sexe de l'enfant, c'est-à-dire une sensibilité qui pourrait différer entre les petits garçons et les petites filles. Pour toutes ces raisons, on a cherché dans le cadre du projet Helix à mettre en évidence des effets de l'exposome sur le poids de naissance de l'enfant, qui est un paramètre sensible aux agressions environnementales d'une manière générale, et qui peut être aussi associé à la santé de l'enfant ultérieurement. Donc, on le considère comme un marqueur intéressant et qui peut être mesuré précisément et très précocement de la santé de l'enfant et de la façon dont la grossesse a pu se dérouler. Donc, on s'est intéressé au lien entre l'exposome chimique essentiellement et l'exposome externe, qu'on appelle l'exposome urbain aussi, pendant la grossesse et la croissance du fœtus, mesuré par son poids de naissance corrigé de la durée de gestation, en essayant de prendre en compte les biais qui peuvent survenir du fait des co-expositions, d'identifier des interactions en fonction du sexe de l'enfant ou éventuellement… Avec plaisir. Et en corrigeant pour l'erreur de mesure sur l'exposome avec des approches statistiques que je ne vais pas détailler ici. On s'est appuyé sur un ensemble de 6 cohortes qu'on a choisies pour leur similitude. Elles ont été toutes mises en place entre 2003 et 2010 dans 6 pays européens que vous voyez représentés ici sur cette carte. Pour la France, c'était la cohorte Eden mise en place par l'INSERM avec le concours des maternités de Nancy et de Poitiers. Au total, il y avait 32 000 femmes recrutées avec leur enfant, mais c'est pour 1300 d'entre elles qu'on a pu quantifier précisément l'exposome chimique du fait du coût important des dosages à pas loin d'une petite centaine de substances chimiques qu'on a réalisées donc pendant la grossesse, à partir d'échantillons d'urine et de sang qui ont été recueillis en général pendant mi-grossesse, congelés jusqu'à ce qu'ils soient décongelés pour des analyses. À la suite de quoi, le poids de naissance a été recueilli, ainsi que d'autres paramètres de santé de l'enfant qu'on a étudiés dans d'autres aspects du projet. Et les échantillons d'urine et de sang ont été utilisés pour doser l'exposome à l'Institut de santé publique, le NIPH norvégien, donc à Oslo. Et on a complété ces données sur l'exposome chimique par des données sur l'exposome urbain, à partir de modèles environnementaux et de mesures sur la température, les niveaux de particules fines et d'autres polluants atmosphériques pendant la grossesse. Alors, je vais passer rapidement sur une partie qui est intéressante, mais avec beaucoup de nombres, qui correspond à la description de l'exposome de cette famille. Vous avez ici les niveaux d'exposition. D'abord, aux polluants organiques persistants, donc P50, ça correspond à ce qu'on appelle la médiane, c'est-à-dire le niveau qui sépare les 50% de femmes enceintes les moins exposées des 50% les plus exposées. Et vous avez aussi
la proportion de femmes chez qui les niveaux de la substance étaient quantifiables. Et vous voyez que pour beaucoup de substances, là, parmi les PCB, notamment le PCB53, qui est un de ceux qu'on retrouve le plus, eh bien, pour 99,6% des femmes dans cette cohorte et dans ces six pays européens, il était à un niveau suffisamment bas pour être détecté par les systèmes de dosage et les analyses biochimiques faites par nos collègues à Oslo. Les composés perfluorés ont été aussi quantifiés. Vous voyez que pour certains d'entre eux, comme le PFOS, on a un taux de détection de 100%, ainsi que les métaux, qui sont aussi fréquemment détectés, et notamment le plomb, avec un taux de détection à lui aussi à 100%. Certains phtalates, donc notamment qui sont utilisés dans les cosmétiques ou pour assouplir les matières plastiques, avec pour certains d'entre eux des niveaux de détection là aussi de 100%. Des phénols comme les parabènes, utilisés comme agents antimicrobiens, notamment dans les cosmétiques, ou le bisphénol A, vous voyez, qui, chez ces femmes enceintes, autour de 2003-2006, était détecté chez 99,4% d'entre elles. Et le niveau de détection était aussi très élevé pour le triclosan, qui est une substance qui, comme le bisphénol A, est connue pour perturber l'axe thyroïdien. Et on avait des taux de détection variables de certains pesticides, notamment organophosphorés. Un résultat important, ça concerne aussi les niveaux de corrélation entre ces substances, qui sont indiqués ici par des traits, un trait entre des substances indiquant qu'il y a un certain niveau de corrélation, c'est-à-dire que les deux substances vont avoir tendance à être ensemble plutôt élevées ou plutôt basses chez les mêmes individus. Chaque couleur indique la famille de composés chimiques et vous voyez plutôt des traits au sein d'une même famille, ce qui veut dire que les substances d'une même famille tendent à covarier. Par exemple, quand vous êtes exposé à un phtalate, vous avez tendance à être exposé à plusieurs d'entre eux. Quand vous êtes exposé à un parabène, vous avez tendance à être exposé à plusieurs parabènes ainsi qu'au triclosan. Quand vous êtes exposé à certains PCB, vous avez tendance à être exposé à d'autres polluants organiques persistants simultanément. En revanche, il n'y a pas forcément de lien fort entre familles. Et ça, c'est très important, notamment pour l'interprétation des études passées qui étaient essentiellement mono-exposition. Ça indique que si une étude passée mettait en évidence un effet d'un PCB avec un paramètre de santé, on ne peut pas exclure que cet effet du PCB ne soit pas dû à un autre PCB, puisque le PCB en question pourrait être corrélé à d'autres polluants organiques persistants. En revanche, c'est assez peu probable que l'effet observé d'un PCB, par exemple, soit expliqué par l'exposition à un polluant atmosphérique ou à un phtalate, parce qu'on a très peu de corrélation entre ces grandes familles. Donc ça, c'est une leçon importante pour les études mono-exposition qui n'ont pas dit leur dernier mot et qui peuvent vraiment, bien sûr, continuer à apporter des informations. Alors, donc voilà, première leçon, une exposition généralisée à un certain nombre de substances, notamment à des polluants organiques persistants, à des phénols, à des phtalates, à des métaux, dont plusieurs d'entre elles sont des substances préoccupantes du point de vue des connaissances toxicologiques ou d'ailleurs chez l'humain. C'est important, même si ce n'est pas une surprise, cette exposition généralisée à différentes composantes de l'exposome chimique a déjà été décrite, et décrite notamment en France, par exemple dans les études de biosurveillance telles que l'étude Esteban faite par Santé publique France, et pour beaucoup de ces substances aussi, on va les retrouver parfois dans l'eau et souvent dans l'alimentation, et là aussi il y a des études de surveillance très précises qui sont faites notamment par l'ANSES. Qu'est-ce qu'il en est des liens avec la santé ? Donc, la santé dans cette étude, c'était d'abord et essentiellement le poids de naissance, dont on a simplement ici la distribution, et donc vous ne serez pas étonné de voir un poids moyen autour de 3,3 kg et certaines variations entre les six pays étudiés. Et quand, avec des approches statistiques qui prennent en compte simultanément l'ensemble des expositions, ont cherché à identifier un lien entre exposome et poids de naissance, une seule substance ressortait, après correction pour l'erreur de mesure avec l'approche statistique que nous avons développée avec nos collègues, cette substance, c'est le plomb.
le niveau de plomb dosé pendant la grossesse, donc chez la femme enceinte, qui était associé à une diminution du poids de naissance de son enfant, avec en gros une diminution de 50 grammes du poids de naissance, ce qui correspond à peu près à l'effet de consommation de 2 à 3 cigarettes par jour pendant la grossesse, à chaque fois que la concentration de plomb était multipliée environ par 2. Cet effet du plomb, bien sûr, était corrigé de l'effet éventuel d'autres expositions, mais qui ressortaient pas nettement, et de la durée de gestation, du sexe de l'enfant, de la parité, de la taille, du poids de la mère avant la grossesse, de sa consommation de tabac, de facteurs sociaux professionnels et du centre de recrutement. Donc, c'est un effet, toutes choses étant égales par ailleurs, pour corriger des différences éventuelles sur d'autres paramètres influençant le poids de naissance entre les femmes plus ou moins exposées au plomb. Le niveau de plomb à l'époque, donc en 2003-2006 environ chez ces femmes enceintes, était de l'ordre de 11 microgrammes par litre de sang, ce qui est plus important que ce qu'on retrouvait à la même époque, notamment aux États-Unis. Alors, le plomb qui ressort ici, en quelque sorte, c'est un de nos plus vieux ennemis, et un des facteurs qui est connu depuis plus longtemps pour influencer la santé humaine. Les humains l'utilisent depuis des millénaires sous différentes formes, notamment du fait de sa malléabilité et du point de fusion relativement faible, qui fait que même sans maîtriser la technique des hauts fourneaux et arriver à des températures très élevées, on arrive à modeler le plomb, et on a un petit peu tendance à le décrire comme le plastique de nos ancêtres, qui avaient tendance à l'utiliser sous diverses formes, pour plein d'usages et pour fabriquer tout un tas d'objets du quotidien. Peut-être pour certains d'entre nous, parmi les plus âgés, bien sûr, on a en tête les soldats de plomb, mais on les retrouvait vraiment un petit peu partout à travers l'histoire, notamment comme cosmétique, parce que certains sels de plomb sont très couvrants, ils font un blanc très couvrant. Donc on retrouve dans la tombe de Néfertiti, on va retrouver des niveaux de plomb élevés. Ce côté couvrant est aussi utilisé dans la peinture, et la lumière des peintures des peintres hollandais vient notamment de leur utilisation du blanc dit de céruse, hein, qui est donc un sel de plomb. On a aussi utilisé beaucoup le plomb dans le vin, des fois comme additif directement et d'autres fois simplement parce qu'on faisait cuire le vin dans des récipients en plomb, ce qui créait de l'acétate de plomb qui adoucissait beaucoup le vin, et donc sur des vins très jeunes, un peu acides, ça améliorait beaucoup leur qualité gustative, sauf que malheureusement, ça les empoisonnait, qui est quelque chose qui a été interdit par le duc de Württemberg aux États-Unis au début du XVIIIe siècle, ce qui est probablement une des premières réglementations historiques contre le plomb, même si on peut rappeler que des architectes et urbanistes romains comme Vitruve recommandaient de ne pas utiliser de canalisation en plomb et préconisaient plutôt l'argile. Plus récemment, on a continué à utiliser le plomb dans l'essence assez longtemps, et dans les pays du Nord, ça a pu perdurer, en tout cas dans la réglementation, jusqu'au début des années 90, et puis encore plus longtemps dans l'essence, avec cet épisode de 1925 jusqu'à 2000 en France, en même temps que la Chine. On a interdit l'essence au plomb une vingtaine d'années après les États-Unis, et ça peut expliquer ces niveaux plus élevés qu'on a aujourd'hui en Europe par rapport aux années 80. C'est tout simplement parce qu'on a tardé par rapport à d'autres pays à interdire l'essence au plomb. Essence au plomb qui est peut-être encore utilisée dans certains pays, mais quand même interdit dans tous les pays du Nord. Le plomb, c'est un des poisons les mieux connus, avec des effets sur un grand nombre de systèmes physiologiques, que ce soit le système nerveux, et la neurotoxicité, c'est vraiment une des préoccupations premières, avec la perte de plusieurs points de QI pour des expositions relativement élevées, mais des effets aussi cardiaques, sur les reins, sur les cellules sanguines, sur la fonction de reproduction. Et pour ce qui est du poids de naissance, c'était quelque chose qui a été relativement peu étudié, mais il y a un petit nombre d'études qui suggéraient déjà
une aptitude du plomb à altérer la croissance du fœtus. Donc, voilà, on a ce signal sur une substance pour lesquelles j'ai rappelé les usages historiques. Ça ne veut pas dire que c'est un problème du passé, malheureusement, parce que vous voyez que les niveaux au début des années 2000 étaient encore relativement élevés par rapport aux niveaux considérés préoccupants et aux niveaux que d'autres pays comme les États-Unis réussissent à obtenir. Les niveaux chez nous décroissent et les études de biosurveillance de Santé publique France le confirment. Mais on peut rappeler que dans d'autres pays, la production du plomb n'est pas interdite, ce qui veut dire que on va toujours avoir, à court terme en tout cas, du plomb dans notre environnement parce qu'il peut se transporter et donc entraîner une exposition à la fois dans les pays où il est encore utilisé et au-delà. Un dernier mot pour insister sur les autres substances qu'on a étudiées, une analyse qui est plus exploratoire, notamment du point de vue de son aptitude à corriger pour les comparaisons multiples, est une analyse dans laquelle on a essayé d'identifier des effets différents de l'exposome selon le fait qu'on soit face à des garçons ou des filles à la naissance. Et dans cette analyse très exploratoire qu'il faut donc prendre avec des pincettes, il y avait des tendances à une augmentation du poids de naissance chez les garçons en lien avec l'exposition à certains parabènes, effet qui ne se retrouvait pas chez les filles. C'est quelque chose qui nous a un petit peu alertés parce qu'il se trouve qu'on avait réalisé par le passé, dans le cadre de la cohorte Eden, une analyse spécifique aux parabènes qui avait tendance déjà chez le petit garçon à être en faveur d'une augmentation du poids de naissance, et effet qui pourrait s'expliquer par un effet plutôt œstrogénique de ces substances. Alors, il faut être prudent sur ces effets, mais c'est clairement quelque chose qui mériterait d'être confirmé et pris en compte dans d'autres études. Voilà, pour résumer, avec Elix, on a réalisé ce qui est une des premières études et une des plus grosses études à l'heure actuelle concernant les liens entre l'exposome et la santé, et notamment le poids de naissance. L'étude nous a permis de prendre en compte plus de 80 expositions issues de 15 familles de facteurs, notamment chimiques. Parmi toutes ces substances, c'était pour le plomb que le niveau de preuve concernant un effet sur le poids de naissance était le plus important. Cet effet est plausible. L'absence de preuve nette d'un effet observé pour les autres substances de l'exposome ne doit pas être interprété comme la preuve d'une absence d'effet, étant donné que notre étude, malgré son effectif de 1300 naissances environ, ou 1100-1300, a une puissance statistique limitée et que, en fait, ces études sur l'exposome, et on l'a compris en avançant dans le projet, du fait du nombre d'expositions qu'on prend en compte, important, nécessite d'augmenter les effectifs. Donc, il ne faut surtout pas considérer que voilà, l'étude suffit à clore la question des relations entre exposome et poids de naissance. On avait par ailleurs cet effet suggéré de certains parabènes sur le poids de naissance des garçons, cohérent avec une étude passée qui mérite une confirmation. Et je n'ai pas insisté là-dessus, mais on n'a pas observé d'interaction, d'effet synergique entre les expositions. Mais là encore, on est très prudent sur l'interprétation parce que des travaux et de simulations statistiques qu'on a réalisés auparavant nous avaient alerté sur le fait qu'avec un effectif de 1000 enfants, en cherchant et en testant toutes les combinaisons possibles d'interaction entre toutes les substances prises 2 à 2, avait très peu de chances d'avoir suffisamment de puissance pour mettre en évidence un tel effet. Donc clairement, si on veut avancer sur ces questions, notamment de synergie, d'effets qui pourraient différer d'un sexe à l'autre ou d'effets des expositions faibles à des composants de l'exposome, ce qui est nécessaire ou ce qui serait nécessaire aujourd'hui, ce serait une grande cohorte exposome, non pas avec un effectif de l'ordre du millier, mais plutôt de l'ordre de dizaines de milliers, voire la centaine de milliers de familles, et si possible avec une caractérisation de l'exposition encore améliorée. Et pour les substances peu persistantes, ça passe notamment par des prélèvements répétés, par exemple autour de la grossesse ou pendant l'enfance, prélèvements répétés qui permettent de prendre en compte que les niveaux d'exposition varient fortement dans le temps. Et quand on a ces prélèvements répétés, on arrive à capturer ces variations, un petit peu comme pour les polluants atmosphériques, en les mesurant en permanence, dont on arrive à suivre les variations dans le temps. Voilà, donc c'est un travail assez colossal avec un grand nombre d'équipes impliquées dans toute l'Europe. En premier lieu, dans notre équipe, Lydia Nagier, qui était postdoctorante et qui est maintenant chercheuse à Altistar à Lyon,
et qui a été soutenu notamment par l'Union européenne. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Rémi pour votre présentation et toutes ces données passionnantes, avec aussi des rappels historiques qui nous sont toujours très intéressants. Donc nous avons deux questions et remarques. Donc une question sur plusieurs points du professeur Annick Bérard. Avez-vous ajusté vos estimés pour les facteurs de risque de petits pois à la naissance, comorbidité maternelle, utilisation de médicaments, lieu de résidence, urbain versus rural, et l'exposition au plomb à quel trimestre? Quel est le mécanisme d'action entre plomb et petits pois? J'aimerais sur la deuxième question qui en fait porte sur les types d'effets perturbateurs endocriniens du plomb. Donc voilà, si on peut regrouper ces questions. Alors beaucoup de questions. La première est technique sur les facteurs d'ajustement. Et donc, effectivement, un effet d'une substance pourrait être expliqué par un autre facteur qui serait corrélé au niveau de cette substance et qui influencerait fortement le poids de naissance. Et donc, là-dessus, ça nécessite d'ajuster sur ces facteurs, notamment pour les facteurs qui concernent une fréquence, une proportion importante en population générale. Donc, très clairement, ça implique de corriger sur des facteurs tels que durée de gestation, parité, tabagisme de la mère, sa corpulence, etc. Pour ce qui est de la prise de médicaments, alors on vient d'en discuter dans la présentation précédente. Heureusement, les femmes enceintes, au-delà des analgésiques, du doliprane, etc., qui, à ma connaissance, n'ont pas d'effet attendu sur le poids de naissance, font attention à la prise de médicaments pendant la grossesse. Donc, c'est quelque chose de très rare qui est assez peu plausible, susceptible d'expliquer l'effet qu'on observe là avec le plomb. Mais c'est un facteur qu'on n'a pas corrigé. Donc, disons qu'on a corrigé l'effet de tous les facteurs fréquents et relativement faciles à caractériser pendant la grossesse. Les mécanismes d'action précis du plomb sur la croissance du fœtus, à ma connaissance, ne sont pas connus précisément. Le plomb a un grand nombre d'effets sur différents systèmes. Il a des effets notamment peut-être sur les reins, ce qui peut avoir un impact sur les échanges entre la mère et le fœtus. Mais franchement, on n'a pas de connaissances précises ou d'hypothèses sur les mécanismes. Et vu l'aptitude du plomb à toucher différents systèmes, on peut imaginer un ensemble de mécanismes impliqués, dont, voilà, et pour ce qui est de la perturbation endocrinienne, c'est la même chose. Il y a beaucoup de mécanismes des effets du plomb. À ce stade, je ne peux pas dire que c'est le mécanisme par lequel le plomb aurait une influence sur la croissance du fœtus, qui effectivement est sous un certain contrôle hormonal, mais qui peut être influencé par un grand nombre d'autres facteurs. Bon, la fonction cardiaque maternelle est bien sûr cruciale pour soutenir le développement et la croissance du fœtus. Le plomb est aussi un toxique du muscle cardiaque. Donc, il y a, disons, beaucoup de pistes, mais pas forcément d'explications certaines concernant ces mécanismes ou de la perturbation endocrine. D'accord. On a deux nouvelles questions. Alors, concernant un peu plus large celle-ci, les liens semblant exister entre présence de métaux dans l'organisme et développement de pathologies plus importantes en cas d'exposition aux radiofréquences, aux ondes électromagnétiques. Et d'autre part, question sur les effets du plomb sur la fertilité. Donc ça, c'est deux questions sur les pathologies liées. Et donc, une demande qui m'est parvenue, donc une demande de référence d'ouvrage en matière d'éco-toxicologie que vous pourriez conseiller à un participant. Donc voilà. Alors, je vous avoue que la littérature sur les ondes électromagnétiques, je ne la suis pas assez pour répondre à la première de ces questions, donc je suis désolé. Pour ce qui est de la fertilité, en revanche, les effets du plomb sur la fonction de reproduction en général sont bien démontrés. Et donc, oui, le plomb induit des troubles de la fertilité, le plomb perturbe la spermatogénèse D'ailleurs, il y a un toxicologue qui avait émis l'hypothèse dans les années 80
que la chute de l'Empire romain pouvait en partie être attribuée au plomb. Pourquoi? Parce que les empereurs romains, eux, étaient fortement exposés au plomb à une époque où on n'avait pas de sucre. Hein. La betterave sucrière, c'est une découverte beaucoup plus récente. Et ceux qui en avaient les moyens, dont les empereurs, pouvaient sucrer les éléments avec du vin cuit dans ces récipients en plomb, donc étaient fortement contaminés en plomb. Donc, on retrouve dans les tombes, notamment des empereurs romains, des niveaux de plomb très élevés. Et il est vrai que beaucoup de ces empereurs étaient, sont restés soit sans enfants, soit ont eu des troubles neurologiques, des problèmes de folie ou d'autres pathologies qu'on peut, pour certaines d'entre elles et en partie, attribuer au plomb. Pour ce qui est de référence, alors écotoxicologie, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment les effets de l'environnement sur les écosystèmes et notamment peut-être faune et flore. Et là, je vous avoue que ce n'est pas mon premier domaine. Il y a un bon livre de toxicologie, donc qui va un petit peu inclure l'écotoxicologie. C'est quand même proche, enfin, ce n'est pas forcément la même chose. Et c'est plutôt l'approche expérimentale qui est sortie récemment par Xavier Coumoul en français. Et toujours en français aussi, je me permets d'évoquer aussi un livre que j'ai publié qui s'appelle « Le mal du dehors » aux éditions Quae en 2017, qui passe en revue l'effet d'un certain nombre de substances, notamment physico-chimiques, mais uniquement chez l'humain. Donc, c'est plutôt une référence en santé environnementale qu'en écotoxicologie. Merci beaucoup. Il me semble qu'il n'y a pas de questions supplémentaires. En tout cas, bon, qui viennent à l'esprit des participants à l'instant. Donc, je vous remercie pour votre présentation et pour le débat qui a eu lieu et tous ces éclaircissements donnés. Nous allons peut-être, il y a une dernière question aussi quand même. Celle-ci est quand même liée à une actualité récente, en tout cas qui est plus récente que l'Empire romain. C'est la question de l'incendie de Notre-Dame de Paris et la question du plomb qui s'est répandu donc, lors de cet épisode. Est-ce que vous savez si des études de suivi sont prévues, s'il y a des choses qui sont faites? Moi, il me semble que oui, mais je vous laisse préciser peut-être. Je vous avoue que n'ai pas assez suivi les choses, mais je sais que, bien sûr, les autorités sanitaires, notamment l'Agence nationale de santé, ont fait des mesures soit locales et peut-être au-delà, notamment en population. Donc, j'espère qu'il y aura une tentative d'avoir un suivi des effets potentiels de cette exposition, mais je ne suis pas précisément ce sujet. Oui, merci beaucoup. Oui, moi, il me semble que la ville de Paris, en tout cas, avait déjà publié des informations et que c'est très certainement au niveau de la RS Île-de-France que peut-être vous trouverez des éléments sur ce sujet. En tout cas, à ma connaissance, ensuite, nous vous laissons faire vos propres recherches, approfondir. Écoutez, je vous remercie. Donc, cette première session scientifique arrive à son terme. Merci beaucoup à tous les intervenants et ceux et celles qui sont encore présents avec nous pour leur participation et à l'ensemble des panélistes qui ont bien voulu partager leurs connaissances avec les participants pour élargir le débat et donc permettre un échange intéressant et instructif.